Good morning, Aleiden. Et tu seras aujourd'hui le Nishmat Amram Yonah ben Chana Begibat Esther Zabat Mazal Tov Shilvorti Shimon Bateloni Michael Novikov aussi Lirfuat Norbert Avraham Ben Fortuné Mazal Petor Shar Chol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah pour toutes les 5 minutes éternelles, nous étudions Makot Perek Alef Mishnah Dalet. Aidim Naasim Zoumin Ad Sheyazomu Et Asman Keitzad Amru Meidin Anu Beish Ploni Sheharag Et Hanefesh Amru Lahem Eich Atem Meidin Sheharei Nehrag Ze O Ahoreg Haya Imanu Oto Hayom Bemakom Ploni. אין אלו זוממים, אבל אמרו להם, איך אתם מעידים? שהרי אתם עמנו הייתם, הייתם עמנו אותו היום במקום פלוני. הרי אלו זוממים ונהרגים על פיהם. משנה אסנסיאל פור להלכות דעת זומם. פור אפל, לעת זומם זה אין גרופ דה תמואן, לגרופ א. ויין ותמואן קונטר ראובן. D'avoir, d'être, de devoir de l'argent, d'être passible de flagellation, de malcoute, d'être passible de mort. Et ensuite, un groupe de témoins B, le groupe B vient et témoigne contre Réhouven en prouvant que ce sont des faux témoins. La Torah nous enseigne, nous dit va, si temlo kasher zamam la sot la rive, vous appliquerez la sentence qu'ils ont prémédité de faire à leur prochain. Vous leur appliquerez à eux-mêmes. Soit le groupe A, on les condamnera de payer à la place de Réhouven, d'être frappé à la place de Réhouven, ou d'être condamné à mort à la place du fameux Réhouven. D'accord? Ça, c'est la halakha qu'on a déjà traité maintenant, évoqué depuis quelques minutes. Maintenant, dans quel cas de figure précisément la Torah a condamné ces faux témoins? Parce qu'on a un problème concret. C'est le principe de notre Mishnah, c'est que si toutefois le groupe A vient et dit Réhouven a assassiné Shimon, et le groupe B vient et leur dit menteur, comment vous pouvez dire que Réhouven a assassiné Shimon? Shimon il est mort tout seul et Réhouven il était dans un autre endroit. Alors là, on n'a pas de contradiction, on a une contradiction entre deux groupes de témoins, mais on n'a aucune raison de croire plus le groupe B que le groupe A. On a tout simplement une situation bloquée. Eux viennent et disent que c'est blanc, et les autres viennent et disent que c'est noir. On ne sait pas quoi faire, on est en contradiction. On n'a aucune raison de condamner le groupe A à mort, parce qu'on n'a pas réussi à prouver que c'est élémentaire. On a un groupe qui affirme une chose, l'autre groupe qui affirme autre chose. On ne sait pas qui dit vrai. On est en problème. Donc la Torah n'a pas pu condamner le Edzomem dans un cas pareil, où il y a une simple contradiction. Alors dans quel cas la Torah a-t-elle condamné, justement, à mort ces faux témoins? Alors la Mishnah va nous enseigner quelque chose de particulier, c'est qu'il va falloir prouver, je vous pose l'axiome et après on va apporter la solution, il va falloir réussir à ce que le groupe B prouve que le groupe A sont des faux témoins sans les contrer. Alors là c'est compliqué, mais la solution elle est très simple, il va falloir s'en prendre à eux directement. Plutôt que de s'en prendre à la scène, à contredire la scène, on va tout simplement dire que vous ne pouvez pas témoigner. Vous n'avez pas la capacité de témoigner. Vous êtes des faux témoins pour une raison qu'on va voir tout de suite. Le principe, il est clair. Si je viens frontalement contrer le groupe B, vient contrer le groupe A, on a une situation bloquée. Eux tirent dans un pouce dans un sens et l'autre pousse dans les autres poussent dans l'autre sens. On n'a aucune raison de croire l'un plus que l'autre. Par contre, si eux poussent dans un sens, et le deuxième groupe vient et les éjecte complètement et leur dit « Vous ne pouvez pas témoigner. » Alors là, on va commencer à comprendre de quelle manière on va croire plus le groupe B que le groupe A. Avant d'aborder concrètement le cas de la Mishnah qui donne la solution, justement, j'apporte juste d'abord une notion évidente. Il est certain que des témoins doivent nécessairement être des personnes externes à la scène. Soit, supposons que moi j'accuse Réhouven d'être un meurtrier, d'avoir tué, d'avoir assassiné. Si Réhouven me contredit, me dit « Non, menteur, je témoigne pour moi que je n'ai pas assassiné. » Vous comprenez bien que Réhouven ne peut pas être son propre témoin pour lui. Un témoin doit nécessairement être une tierce personne à la scène. Pas l'acteur, ni l'accusé, ni la victime. Ouais, s'il n'a pas été tué, il a uniquement été frappé, blessé, peu importe. En tout cas, l'accusé ne peut pas lui-même être témoin, il n'a pas le titre de témoin. Et c'est précisément en ça qu'on va avoir la solution de la Mishnah. Je vous l'ai dit à l'oral et après on va le revoir dans les mots, ça ira plus vite. D'accord? Soit le groupe A vienne et témoigne que Réhouven a assassiné Shimon dimanche matin à 9h
à côté du Kotel. D'accord ? La Jérusalem, c'est pas très kadosh, à côté du Kotel. Allez, à côté de la mairie. C'est vraiment pas kadosh. À côté de la Knesset, voilà. D'accord ? Réhouven a assassiné Shimon à côté de la Knesset. Et les témoins viennent. Alors si les témoins viennent et s'en prennent à la scène et disent « Non, Réhouven n'a pas tué Shimon dimanche matin à 9h à côté de la Knesset. » Pourquoi ? Parce que Réhouven n'était pas à côté de la Knesset à telle heure. Shimon n'était pas à côté de la Knesset à telle heure. Alors là, non, on a une contradiction sur les faits. Les témoins, le groupe A dit assassinat à 9h du matin à côté de la Knesset. Et le groupe B dit non, il n'y a pas eu d'assassinat à cette heure-ci. D'accord ? Notion claire. Maintenant, ce qui se passe, c'est comme ça. C'est que si... Donc on a une contradiction, la situation est bloquée. Excusez-moi, j'ai un téléphone en route, ça m'a un peu troublé. Si toutefois, par contre, le groupe B vient et dit « Moi, nous, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dimanche matin à 9h. Peut-être que Réhouven a assassiné Shimon, là n'est pas notre problème. Mais une chose de sûre, c'est que vous, Réhouven et Shimon, vous, le groupe A, vous êtes vous-même des faux témoins parce que dimanche matin à telle heure, on était ensemble, on était à Tel Aviv. » Ah ! Et là, on n'a plus de contradiction. Pourquoi ? Parce que le groupe A, quand il va se défendre, il va dire « Mais non, on était à la Knesset !» Alors le groupe B va leur dire « Mais vous ne nous contredisez pas. Vous êtes maintenant les accusés de faux témoignages. Vous ne pouvez pas vous-même vous défendre et témoigner pour vous-même. Si vous affirmez être à la Knesset, allez chercher des témoins que vous étiez effectivement à Jérusalem dimanche matin et on rediscutera entre nous. Mais pour le moment, vous n'êtes pas en train d'affirmer, vous n'avez pas de témoignage qui va attester que vous étiez dimanche matin à 9h à côté de la Knesset. On a uniquement deux témoins qui viennent et qui disent qu'ils vous ont vu à telle heure, à Tel Aviv. Donc, pour le moment, vous êtes des personnes contre lesquelles témoignent deux témoins sans qu'il y ait personne pour vous défendre. Vous êtes bloqués. Et alors là, on a réussi à vous éjecter. D'accord ? On vous a éjecté de la scène. C'est clair ? Principe très clair. Après, on compliquera un petit peu la scène si ça vous intéresse. Mais pour le moment, on fait ça à l'intérieur des mots. « En ha'edim na'asim zomemin » Les témoins ne deviennent « ed zomem » donc des faux témoins à qui on applique le din de « hazama » de leur appliquer la même sentence qu'ils ont prémédité de faire « ad sheyazomu et atzmam » jusqu'à qu'on les rende eux-mêmes « ed zomem » soit qu'on les éjecte de la scène. Le mot « yazomu » je ne pense pas qu'il puisse être traduit, c'est assez compliqué quoi, et c'est qu'approximativement parce que c'est un concept à partir duquel on a créé tout un verbe et... Ouais, il n'y a pas de... Je ne sais pas chercher spécialement, en tout cas, c'est dur à traduire. Donc, « Hachi yazomu et atzmam » jusqu'à qu'on parvienne à les contredire et à prouver qu'ils sont des etzomem, mais eux-mêmes. « Keitzad » de quelle manière ? La phrase, elle est floue, donc la Mishnah explique. « Amro » ils ont affirmé, le premier groupe de témoins, le groupe A, dit « Meidi dano beish ploni sharagat nefesh » Nous témoignons contre Réhouven qu'il a assassiné quelqu'un, Shimon. Le groupe B vient et le rétorque. Comment pouvez-vous témoigner ? Comment vous pouvez témoigner contre Réhouven qui a tué Shimon ? Car la victime, ouais, la personne assassinée, ou bien l'assassin, à telle date que vous l'accusez, il était en réalité avec nous à un tout autre endroit. En elu zomemin. Ces témoins ne deviendront pas des faux témoins. Pour quelle raison ? Comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure, parce qu'il y a une contradiction et on ne sait pas qui dit vrai. Aval, par contre, Amro Lahem, si ils lui ont rétorqué, le groupe B, Eratem Eidin, comment pouvez-vous témoigner ? Share Atem, parce que vous, le groupe A qui affirmez être des témoins oculaires de la scène, Heitam Imanuoto, Ayom, Bemakamploni, vous étiez avec nous dans un autre endroit à telle heure. Alors dans ce cas-là, Are et Luzomemin, ils sont parvenus à être des faux témoins qui ont prémédité un faux témoignage, donc Veneragin Alpiem, et ils seront tués Alpiem à cause de leur faux témoignage. D'accord ? On fait maintenant le Barthénoï, et puis après je rajoute une donnée importante. Achiyazu Yazimu Atzman, Sheyazomu Otan Beiske Gufan. Qu'est-ce que ça signifie Sheyazimu Atzman ? C'est un mot difficile à comprendre. Alors sur ça, on va dire jusqu'à qu'ils vont les rendre Edzomem. Beiske Gufan, en témoignant sur leur corps. Ils vont prendre son corps et lui dire non, ton corps est toi-même, ton être. Ta personne ne peut pas témoigner.
sa personne. L'obéiske ha'oreg veha'arug. Non pas en témoignant, en portant témoignage contre la véracité des faits, en parlant de l'assassin ou de la victime, que des méfarages va essayer, comme la Mishnah nous explique. Et d'où on apprend cette histoire? Venav kalan, et le pasouk nous l'enseigne, mikra, à partir d'un pasouk, dirtiv, comme le pasouk nous dit, vehine ed sheker ha'ed, ed sheker ha'ed, il a porté un faux témoignage, il y a une insistance là-bas sur le pasouk qui nous dit, ad sheye sheker begufan shel edim, jusqu'à que le mensonge soit démontré sur la personne des témoins, soit qu'on a réussi à éjecter les témoins de la scène. On dit vous ne pouvez pas être des témoins, et c'est en ça qu'on vient les contrer, d'accord? Il y a beaucoup de quoi développer en réalité, d'accord? J'ai ici ouvert le Rambam, tel que je vous expliquais la Mishnah, c'est très bien expliqué dans le Rambam, dans le livre de Shoftim, Perek 18, Halakha Bet, il explique justement tout ça, que lorsque deux personnes viennent, il explique cette différence comme ce qu'on a expliqué, d'accord? Lorsqu'il y a deux groupes de témoins qui affirment un le contraire de l'autre, alors on est en situation bloquée, on ne sait pas qui croire. Comme ça, le Rambam dit, les fichiers aident à nous yodim, mais il y a kata chakranit, on ne sait pas quel est le groupe de témoins qui témoigne à tort. À la différence du cas où j'ai réussi à les attraper indirectement, en les éjectant à eux, en m'en prenant à eux sans m'en prendre à la scène. La scène, je ne viens même pas en parler, je ne sais pas s'ils reviennent là-dessus ou pas, mais vous ne pouvez pas témoigner. Alors dans ce cas-là, cette fois-ci, là, on a réussi à les contrer de cette manière. Je leur ai coupé les pieds, donc ils ne peuvent plus rester debout. D'accord, c'est le principe. Il y a en cela une grande difficulté, parce qu'il y a une halakha très claire, que si ensuite, une fois que les témoins sont contrés, il y a la victime qui vient tout simplement bet din. Alors qu'est-ce qu'on fera? On leur appliquera le din de Hazama? Supposons par exemple, le groupe A dit Reuven a assassiné, et le groupe B dit non, Shimon n'a pas assassiné. Donc on est en contradiction, et en fait on n'applique pas le din de Hazama parce qu'on ne sait pas qui dit vrai, tel que c'est ramené dans le Rambam. Si toutefois l'assassin débarque, on saura qui dit vrai, bien sûr. On saura que le groupe A, c'était des faux témoins. En théorie, selon le Rambam, on devrait leur appliquer le din de Hazama. Et concrètement, c'est une halakha qui n'est pas vraie. On ne leur appliquera pas le din de Hazama. C'en soit même une grande question qui est longuement débattue dans l'Acharonim. Ça va très loin, il y a le Tiferet Israël, le Tiferet Yaakov, Rav Shach, dans Avi Yezri. Ils parlent de ça aussi longuement. On ne va pas apporter toutes les réponses. Une petite aussi donnée quand même intéressante, juste pour conclure sur la Mishnah aussi. Qu'est-ce qui se passe si le deuxième groupe de témoins vient et témoigne sur les deux choses en même temps, sur la scène et sur la personne? Soit toi tu ne peux pas témoigner parce que toi on t'a vu que tu étais de l'autre côté de la ville, nous on était par exemple sur un immeuble et on voyait que tu étais complètement dans une autre rue, tu pouvais pas du tout voir la scène, mais nous on a vu la scène que Reuven il a effectivement tué. Alors dans ce cas là on a un problème, les mêmes témoins viennent à la fois contredire sur la scène et en même temps s'en prendre des témoins. Est-ce qu'ils seront crus, ils seront pas crus? Cette fois-ci il y a le Tosfot Yom Tov qui rallonge longuement sur la question. Il veut proposer qu'il y aurait éventuellement une discussion sur la question. Et pour notre propos, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Aslacha, Kol Tov, Selah.